compétences diversifiées et en ressources financières, les membres de la diaspora peuvent participer au progrès de leur communauté d'origine. Selon les données de la Banque mondiale, les envois de fonds de migrants vers leur pays d'origine en Afrique subsaharienne ont atteint 53 milliards de dollars en 2022. Fort de ce potentiel, l'Afrique œuvre à mobiliser la diaspora et les afro-descendants autour des défis de développement. C'est dans ce cadre que la ville de Bamako, au Mali, accueille du 14 au 15 mars 2024 la deuxième conférence régionale préparatoire de la région Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain de Lomé, prévu du 29 octobre au 2 novembre 2024. La conférence de Bamako se tient sous le thème « Diaspora, Afro-descendants et développement ». L'enjeu essentiel de la rencontre de Bamako, c'est de pouvoir alimenter en réflexion, en contribution, en recommandation la conférence, le congrès panafricain, mais sur cette thématique en particulier. Ce que nous souhaitons, c'est regrouper en deux thématiques majeures. La première, c'est celle de la réflexion autour de l'organisation qu'il faudra mettre en place pour fédérer les diasporas, les afro-descendants qui sont un peu partout dans le monde, comment ils peuvent jeter les ponts entre eux, comment ils peuvent constituer une organisation, une structure ou une force pour pouvoir peser sur les enjeux politiques, géopolitiques et faire en sorte que l'Afrique puisse compter. La conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest de Bamako fait suite à celle de la région Afrique australe des 4 et 5 décembre 2023 sur le thème panafricanisme, sciences, savoirs et technologies. 4 autres conférences sont attendues au Brésil, au Maroc, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. En organisant ces assises, le Mali entend mettre en œuvre pleinement son leadership panafricain pour la réussite du congrès de Lomé. Les derniers mois que nous avons traversés ou les dernières années, le Mali a bénéficié d'une sympathie extraordinaire des Africains, des Panafricains, des gens de la diaspora, des Afro-descendants, qu'aujourd'hui, en retour, le Mali puisse servir de ce cadre d'inspiration pour que ceux-ci se retrouvent ici. Nous pensons que c'est très humblement que c'est vraiment une marque d'attention pour notre pays. Les travaux de la conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest